j'en veux. Tu te fous de moi, tu le fais exprès. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que t'as? Tu ne fais que des fausses notes. T'as entendu des fausses notes, toi? Alors, regarde, mets des lunettes. J'ai un ré bécard. Et tu me joues en bémol. Ouais. En ton majeur. Ouais. C'est pas vrai, Maurice? Excuse-moi, Hubert. Il y a un peu de ça. C'est pas, il y a un peu de ça. J'ai un ré majeur. Bon, écoute, tu vas pas chipoter pour un bécard ou un bémol, non? Eh ben, si, si, justement. Mais pourquoi tu fais ça? Oh. Pourquoi tu fais ça? Depuis des années, on joue avec un ré bécard. Ben oui, ben tu joues avec un ré bécard. Tu sais, l'Adagio d'Alboretti, moi, depuis que ce groupe-là, comment il s'appelle? Les décideurs décadents. Les décideurs décadents. Bon, voilà un nom, tiens. Eh ben, depuis qu'ils ont sorti un disque avec cet arrangement moderne, moi, je vais te dire, ça me bloque. Le disque, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Oui, peut-être, mais enfin. Il a fait un tube, hein. C'est bien vrai, ça. Tout le monde le fredonne. Oui, le tube, je m'en fous. On joue l'adagio comme il a été écrit. Hein, on respecte l'auteur. Allez, on reprend. Allez. Deux mesures avant. Allez, on y va. Trois, quatre. Bon, oui, ben, je crois qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à temps. Il n'y a pas à temps. Je vais te dire, regarde. C'est sûr que c'est un bécard, parce que moi, oui, je ne suis pas sûr. C'est pas un bécard, ça? Oh, c'est un petit bécard. Écoute, n'insiste pas. Non, on arrête. Alors, tu vas rentrer chez toi. Tu vas répéter jusqu'à ce qu'on se revoie. Tu répètes tous les jours, tous les jours. Tu ne bois pas, tu ne manges pas. Tu répètes. D'accord. T'as compris? Oui, entends. Allez. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et en juillet, on a rien? Oh, deux ou trois galas. On voit se tomber. Ben, un peu. À cause de ta femme? Ben oui, elle voudrait que... Oh non, non, ça, c'est trop fort. Elle ne veut pas? Toujours pas. Tu aimes, toi? Eh oui, c'est frais, c'est jeune. Qu'en penses-tu, Victor? Tu trouves pas? Ben moi, je préfère mon live. Quoi, tu vas pas tourner là à cause de cette cochonnerie, non? Non, je préfère mon live, puis de toute façon, j'ai un rendez-vous. Bon, allez, c'est ma tournée. Je paye, Maurice. Où il va? C'est aujourd'hui vendredi. Oui, et il est pas loin de 5 heures. Moi, je trouve pas qu'il exagère avec son Alboretti. Pourquoi ça? Mais parce qu'Alboretti est un grand compositeur. C'est vrai, ça, il a jamais fait que son Adagio. Ah, vous me faites marrer tous les deux. Mais Alboretti, c'est son idole. Ça, ça s'explique pas. Quoi, c'est tout, c'est tout. Tu lui remets ça? Je lui remets la même chose. Radio. Victor. Victor. Victor Collinet. Victor, c'est moi, Attilio Alboretti, qui parle. C'est pas possible, je rêve. Non, non, tu ne rêves pas, n'aie pas peur. Approche. Où ça? Là, près du bâton. Viens. C'est là, plus près encore. Non, mais c'est une plaisanterie, c'est pas vous. Si, si, c'est moi. Et maintenant, écoute-moi. Victor, je voulais te remercier. Mais me remercier de quoi? De jouer mon adagio comme je l'ai écrit, et puis de ta fidélité. Ça fait si longtemps que tu viens tous les vendredis à 17h avec un bouquet de fleurs fraîches. Eh oui, depuis 30 ans, c'est rien. C'est beaucoup, tu es le seul qui vient me voir, les hommes m'ont oublié. Oh, pas tout le monde. On le joue encore, votre adagio. On le joue? Tu veux dire qu'on le massacre? J'en suis malade. Ça, vous avez raison. En ce moment, vous êtes pas gâté. C'est pour cela que j'étais obtenu l'autorisation exceptionnelle des bienveillantes autorités qui gouvernent les mondes où je vis d'être confié une... Chut! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du monde. Ne t'inquiète pas, tu es le seul à pouvoir m'entendre. Ah bon, alors ça va. Vous disiez quoi? Que j'ai la permission de te faire un présent que tu apprécieras, j'en suis sûr. Un présent? À moi? Oui. Lorsque je suis mort en 1705, à l'âge de 23 ans, j'avais en moi plusieurs mélodies que je me disposais à écrire. Eh bien, ces mélodies, Victor, y étaient les deux. Tu pourras les jouer avec tes amis. Ainsi, elles vivront.
Écoutez, Attilio. Tu sais, Victor, tu peux me tutoyer. Ça me gêne. Allons, allons, je te les demande. Écoutez, enfin, écoute, ce que tu me proposes, c'est formidable, mais je sais pas quoi te dire. Mais quoi? Comment on va faire? C'est très simple. Tu vas venir avec du papier à musique et de quoi écrire. Je te dicterai les mélodies et tout notera. Vendredi prochain? Mais pourquoi attendre? Reviens le plus tôt possible. Demain? Attends, demain, j'ai pas le temps. J'ai une réunion. Bah écoute, j'ai tout mon temps. Si tu veux, dimanche. Alors, à dimanche. Excuse-moi, Victor, mais je dois te laisser. C'est l'heure. Ah bon? Eh bien, t'es fermé, monsieur Collinet. Et donc, vous êtes resté tard aujourd'hui. Eh oui. Et incroyable, ce type. Hein? Ah, ça, il est incroyable. Ah, c'est pas vrai. Attilio. Attilio. Alors là, je débloque complètement. Je dirais qu'un mot génial. Arrête. Tu vois, quand tu veux faire un effort. Non, t'es pas très frais, toi, aujourd'hui. C'est vrai, ça. Tu as l'air préoccupé. Oh non, moi, ça va. Hein? C'est sûr, t'as pas d'ennuis? Pourquoi voulez-vous que j'ai des ennuis? Puisque je vous dis que ça va, ça va. Écoute, je vous engueule pas, nous. Je vous engueule pas. J'ai peut-être pas très bien dormi, mais ça va. Écoute, Victor, on va te laisser te reposer pour que tu sois en forme demain, hein? Demain? Oui, on va déjeuner chez Maurice. Soit l'heure, hein. Oh, bah, excusez-moi, j'avais complètement oublié. Comment tu peux pas? C'était prévu. Ouais, c'est peut-être prévu, mais je peux pas. J'ai un rendez-vous demain. Demain? Oui, demain. Oh là, rendez-vous d'affaires à un retraité un dimanche matin. Bah, faut oui. Le faire, hein. Eh bah, peut-être faut le faire, mais c'est comme ça, c'est tout. On discute pas. Bon, allez. Ouais, oui. On a assez attendu pour aujourd'hui. Monsieur Collinet, laissez-moi pas pour votre jour. Ah oui, mais il faisait beau, puis j'avais rien à faire. J'ai dit, tiens, j'allais faire un petit tour au cimetière. Bon, voyons. Bonne journée. Bonne journée à vous, hein. Sûrement vous, hein. Enfin, je veux dire, c'est toi, hein. Évidemment. Approche. Assieds-toi. Tu as amené quelque chose pour noter? Bah, évidemment. Regarde. Tu es prêt? Je suis prêt. Alors, allons-y. Allez, allons-y. Do, si, si. Do, la, si, la, La bémol. Écoute, je t'en prie, va pas si vite, j'arrive pas à écrire. Sois gentil. Pardon. Ah bon, va. Vas-y. Si, sol. Do, si, si. Do, la. Do, la. Si, la. Si, la, la. Si, sol. Si, la, la. T'es sûr que c'est la, la? Écoute, il connaît ma mélodie quand même. Oh, excuse-moi. Bon, allez, vas-y. Vas-y. La, la. Sol, si. Si. Ré, do, si, sol, si, si, regarde, il voit des choses pareilles. Hein? Oh, il a dû perdre un être caché. Taisez-vous!
Vous voyez pas que maintenant il dit plus rien? Pas vrai. Ré, do, si. Allez, circulez. Allez. Oh. On peut y aller, ils sont partis. Vas-y. Do, si. La, la, sol, sol, si, do, ré, do, ré, mi, mi. Oh, c'est mignon. Do, ré, mi, mi. J'aime beaucoup. Do, ré, mi, mi. Do, ré, mi. C'est dommage que Victor n'ait pas pu venir. Ben oui, ça, je me demande ce qu'il va arriver. Oui, c'est vrai, ça, il est bizarre, il n'est pas comme d'habitude. C'est peut-être cette histoire de maison qui le tracasse. Quoi, une histoire de maison? Ben, il paraît que le propriétaire veut la mettre en vente. Ah oui, oui, j'en ai entendu parler aussi. Alors, si ça se fait, s'il veut y rester, il faudra qu'il achète. Ah ben oui, mais acheter avec quoi? Oui, c'est ça, ou peut-être autre chose. Si ça se trouve, il est amoureux. Oh là, on va savoir. Ah, dis donc, s'il pouvait se remarier, celui-là, vous seriez un peu plus souvent à la maison. Oh, bah ben, oui, et nous pourrions passer des vacances beaucoup plus normales, tu ne crois pas? Mmh. Mmh. Qu'est-ce que c'est beau? C'est vraiment très très beau. Sacreatio. Les enfants, je voulais vous dire, j'ai pensé à quelque chose, il faudrait peut-être renouveler le répertoire, trouver des morceaux nouveaux. Tu penses à quoi? Je sais pas, mais enfin, des musiques originales. Vous voyez, pas trop jouer. J'irais même pas jouer du tout. Par exemple? Par exemple, pour l'instant, j'en sais rien. En attendant, je vais vous donner les, ah oui, les dates pour les prochains galas. Vous y êtes? Oui. Lundi 16, Fécamp. Jeudi 19, Yvetot. 19, Yvetot. Samedi 21, deux fois. En matinée? Évidemment, deux fois. En matinée à Elbeuf, en soirée à Cabourg. Tout ça, c'est des galas pour le troisième âge, quoi. Et alors, t'as quelque chose contre le troisième âge? Non, mais j'en ai marre de jouer pour des vieux, quoi. Ah, t'en as marre? Ouais. Et pour qui tu te prends, toi? Oh, arrête. Je ne vais jamais pouvoir vous faire des copies de tout ça pour mercredi. Débrouillez-vous, il me les faut pour mercredi. Bon, je vais essayer. Attention, j'y compte, hein. Allez, au revoir. Au revoir. Ah, j'y pense. Quand je viendrai les chercher mercredi, je vous en amènerai d'autres qu'on va me donner au cimetière. Allez. Attilio! Attilio! Qu'est-ce qu'il faut? Attilio! Allô? Marseille, Lyon, Bordeaux. Monaco, tu m'attends, coco? Turlututu, chapeau pointu, pigeon cocu, pigeon dodu. Turlututu, chapeau pointu, pigeon cocu, pigeon dodu. Victor, tu es là? Ah oui, je suis là, puis ça fait un moment que je suis là. Excuse-moi, je suis en retard. Ah oui, t'es même à la bourre de 15 minutes. Je sais, mais c'est de la faute de Vivaldi. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Il est bavard, cet Antonio. Tu peux pas savoir. Tu es prêt à noter? Mais là, je note pas comme je suis pressé. Je vais enregistrer. Alors, vas-y. C'est très joli ce que tu viens de composer.
Ah, tu aimes bien mon morceau en do mineur, hein? Ah oui, c'est celui que je préfère. Moi aussi, Victor, c'est ma composition préférée. Ça prouve que tu es un bon musicien. Merci. Allez, recommence pour me faire plaisir. Vas-y. Ben, vas-y. Ah oui, j'ai compris. Monsieur Collinet. Oui. Je vous prie de ne plus adresser la parole au défunt. Non, mais attention, là, c'est lui qui veut me parler. Ouais, écoute, tu peux pas comprendre. Bon, ben, je vois que je dérange, alors. Je te laisse. Ciao. Voilà, monsieur Collinet, c'est prêt. Ah, c'est gentil, merci. Tenez, ça, ce sont les nouveaux morceaux qu'il faudra me donner pour demain matin. Demain matin, non, c'est pas possible. Oh, soyez chouette. Je vous donne le double de ce que vous me prenez d'habitude. Bon, bon, d'accord. Je vais faire un effort. Demain matin. Merci. Vous reprenez un peu de café? Avec plaisir, allez-y. Oui. Oui. Mais t'énerve pas, je sais bien que c'était pas prévu. Oui. Mais Hubert et Lucien, ils sont d'accord. Alors, ils sont gentils. Hein? Bon, ben, c'est ça. Demain, 14h. Bon, ben, d'accord. D'accord, demain, 14h. Ne me dis pas que tu vas répéter demain. Mais si, si, c'est Victor qui insiste, il dit que c'est important. Mais tu sais bien que demain, on devait aller voir les enfants. C'est pas grave, tu iras toute seule. Décidément. Je me demande si tu n'es pas mariée avec Victor. Voilà. Je n'ai dormi que 2 heures, mais c'est prêt. Merci, c'est gentil. Ça vous fait 1500 francs. 1500 francs, ben dis donc, c'est des heures de sommeil qui me coûtent cher, hein. Allez, au revoir. Voilà. La prochaine fois, je vous laisserai dormir plus longtemps, ça me coûtera moins cher. Monsieur Collinet. Oui. Monsieur Collinet. Oui, vous venez. Ah bon. De qui sont ces morceaux? Pourquoi vous l'aimez pas? Ah si, si, au contraire. C'est influencé par le 18e, mais d'une très grande richesse mélodique. Surtout le morceau en do mineur. C'est superbe. Ah, c'est superbe. Qui a écrit cela? C'est un jeune compositeur inconnu. Ah. Mais un Italien. Il vient de se faire naturaliser français. Ah. Et comme ça. Au revoir. Au revoir. Ah, oui, c'est drôlement bien. Tu vois, ce morceau en do mineur, c'est celui que je préfère. Ah, moi aussi. Ah, oui. Les autres sont bien, mais alors celui-là... Ah, oui. Eh bien, puisqu'on est tous d'accord, on va commencer par jouer celui-là. Ah, oui. Et c'est de qui? C'est une surprise. Voilà, c'est une surprise. Je vous dirai ça plus tard. Ouais. Bon, allez, on reprend. Ouais. D'accord. Attention. 1, 2. Ça fait pas taire les cons. Alors... T'as vu? Eh, ils auraient quand même pu nous mettre en vedette, hein? Ouf. Ben quoi? Tu te maquilles, toi, maintenant?
Bah, ce linge m'a dit que je faisais un peu pâle sur scène. Alors. Mais pourquoi t'as pas demandé à ta femme de faire ça, toi? Elle est à Vierzon, chez sa sœur, celle qui vient de perdre son mari. Oh, bon Dieu, j'ai un de ces tracs, moi, là. Tu crois que j'ai pas le trac, moi? Bah, moi aussi, oh, bah, faut pas paniquer. La répétition, c'était bien. Oui, mais quand il y a public, c'est pas pareil. Ouais, si, ça va marcher. Bah, moi, je te dis que c'est difficile. C'était formidable. Oh, c'était magnifique. Hein. Quel succès. Maintenant, ah, ouais. Bah, tu vas nous dire de qui c'est, hein? Eh ben, c'est si mystérieux que ça. Enfin, oui et non. Bon, enfin, coup d'accouche, quoi. Eh ben voilà. Oui. Depuis 30 ans, vous savez que je vais tous les vendredis sur la tombe d'Alboriti. Oui, 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 oui. Alors, ben, vous n'allez pas me croire, vendredi dernier, s'est passé une chose incroyable. Ah. J'arrive là-bas. Mm-hmm. Oh, je sais même pas pour vous. Je ne devrais pas vous le dire, vous n'allez pas me croire. Alboretti. Monsieur Alboretti. Attilio. Oh, il parle, mon œil. Complètement cinglé, ce Collinet. J'étais sûr que vous n'alliez pas me croire. Je vous jure que c'est la vérité. Ça paraît invraisemblable, mais c'est vrai. Il t'a rien dit d'autre, Alboretti? Il t'a pas demandé des nouvelles de ma femme, par exemple? Vous m'emmerdez. Oh. C'est toi qui nous emmerdes, enfin, déconne pas. Dis-nous qui a composé cette musique. Dis-en, Victor. T'as composé autrefois? Oui, c'est vrai, à une certaine époque, j'ai composé. Et tu t'es arrêté complètement? Enfin, oui et non. Je compose encore de temps en temps, mais c'est pas terrible. Oui, oh ben ça va, j'ai compris. T'as compris quoi? Ben c'est toi qui as composé cette mélodie, à vous. Alors on pense que c'est du Alboretti, mais pas tout à fait. En réalité, c'est très personnel. On reconnaît ta sensibilité, Victor. Ah oui, cette fois c'est vrai, tu as mis dans le mille. Alors, c'est toi? Bon, eh ben, je vous avoue, c'est moi. Ah, bravo, ouais. Quand même. Quand même.
T'aurais pu trouver une autre histoire pour nous faire croire une chose pareille. Parce que tu sais, hein, t'aurais raconté ces trucs-là à quelqu'un d'autre, hein, il te prenait pour un fou, hein. Entrez. Entrez. Merci, messieurs, c'était magnifique. Je sais que votre participation est tout à fait bénévole, mais vous nous ferez le plaisir d'accepter cette modeste somme. Non, c'est vous, c'est nous qui vous remercions. Mais disons, pour vos frais de déplacement. Si vous insistez. Et avec ton remerciement. Au revoir, messieurs. Merci. Au revoir. Merci. Voilà quelqu'un qui sait vivre. Disons, il faut que tu déposes tes titres à la SACEM. Tu crois? Ben, mon vieux, tu vas toucher des droits. Et puis, il faudrait trouver des titres. Ah oui, parce que la Dojo numéro 2, le chose en fa, la machine en ré. C'est pas bon. Si, si, il a raison. Il faut trouver quelque chose de joli. Surtout pour celui qu'on joue. Attends, qu'est-ce que tu dirais de l'appeler évasion? Ouais, ou je pense, affection partagée. Non? Évasion, ça fait penser à la prison. Affection partagée, ça fait penser à une maladie contagieuse. C'est pas... Vous pouvez pas trouver autre chose. Moi, j'ai une idée. Rêverie romantique. Eh ben voilà, hein? Quelquefois, il dit des conneries, mais là, c'est ça pas va, mal, c'est ouais, ça. Bon, c'est bon, là, ça, bravo. C'est bien. Ouais, ouais. Vraiment. Ça m'est venu, là, tout d'un coup. Hein? Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. J'ai rendez-vous avec monsieur Durieux. Oui, monsieur Durieux, vous attend au bureau d'à côté. Merci. Bonjour monsieur, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Voilà, je vous ai amené les papiers que vous m'aviez demandé. Voilà, merci. Ça va? C'est parfait. Alors à partir de maintenant, mes droits sont protégés. Absolument, vous êtes propriétaire des droits à 100%. Sauf si bien sûr quelqu'un déclare avoir déposé les mêmes morceaux sous un autre titre et avant vous. Avant? Mais la SACEM existe depuis combien de temps? 1851, monsieur. 1851. Bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Ce truc-là. C'est pas joué terrible, mais la mélodie est super. Hein. Bravo, monsieur, c'est formidable. Oh, oui. Merci. Surtout le dernier morceau. Et la mélodie est géniale. Ah, ben dis donc, c'est bien, là, ce que vous faites. Hein. Merci. Ouais.
Donc c'est de qui, là, le dernier morceau, là? Je crois que je l'ai jamais entendu. En effet, ça m'étonnerait, mais... Ah bon, pourquoi ça? Parce que c'est nouveau. Ah bon, c'est pas d'un compositeur du 19e, du 18e? Non, pas du tout, non. C'est Victor. Victor? Oui, Collinet, lui, là-bas, qui nous dirige. Victor. Salut. Salut. C'est bien ce que vous avez joué tout à l'heure, là. Hein? C'est de vous? Oui, pourquoi? Ah ben, je tenais à vous féliciter. Je me présente, Sam Grossman. Enchanté. Ouais, je suis directeur artistique chez Mondial Music, vous connaissez sûrement, non? Ouais, un magasin de disques. Ah non, non, non. C'est une firme de disques. Une maison de production, une grosse boîte. C'est nous qui avons sorti Christian Strait, Barbara Brenlon, les Neurotic Singers. Ouais. Et puis aussi le dernier disque des Décideurs Décadents, l'Adagio d'Alboretti, avec des arrangements modernes. Ah bon? Ouais. C'est pas ce que vous avez fait de mieux. Bon, chacun ses goûts, hein. En tout cas, on en a quand même vendu 800 000. Eh ben, tant mieux pour vous. Dites-moi, ça vous plairait pas de discuter un petit peu, tranquillement Qu'est-ce qu'il veut, ce type à Victor? Ça, j'en sais rien. Une sale gueule, hein. Ça, c'est vrai. Parler de quoi? Affaires. Ah, vous vous occupez de galas de bienfaisance et de foyers des anciens? Non, pas vraiment, non. Non, c'est au sujet de votre composition, le dernier morceau que vous avez joué. Rêverie romantique? Ouais. Et alors? On pourrait en faire quelque chose. En faire quoi? L'éditer, en faire un disque, peut-être, je sais pas. Enfin, on peut en discuter, non? Ah bon? Bon, bah écoutez, je vais vous donner ma carte. Réfléchissez et appelez-moi quand vous voudrez, hein. 11 00. 00. Victor. Victor Collinet. 2 square. Alors, qu'est-ce qu'il te voulait, ce type-là? Oh, rien, c'est pour un gars-là. Il s'occupe d'une maison des anciens? Voilà, c'est ça. Ah, dis donc, c'est inquiétant pour eux. Non, ça va pas du tout. Faut jouer ça en mouvement continu. Les gâteaux. Ah, tout de suite, non, pas les gâteaux. Un mot italien, les gâteaux. Là, vous jouez ça comme une machine à hacher la viande. C'est dégueulasse, dégueulasse. On dirait du rap. Tu peux pas le dire gentiment? Je le dis comme je le veux. Ouais, mais encore, arrête de nous engueuler. Écoute, je sais pas ce que tu as en ce moment, mais tu te prends une grosse tête, hein. Ah, moi, j'ai la grosse tête? Ah oui? J'ai la grosse tête parce que je vous dis de jouer ça. De jouer ça normalement, j'ai la grosse tête. Pas vrai. Allô, oui, c'est moi. Pardon? Vous voulez que je vienne déjeuner? À Paris? Ah oui, avec plaisir. Mais vous venez me chercher à la gare? Oui. Jeudi à midi. Entendu. Jeudi à midi. C'était qui? C'est un organisateur de galas de bienfaisance pour maison de retraite. Il t'invite à Paris et il vient te chercher à la gare. Oui, et en plus, il m'invite dans un des plus grands restaurants de Paris. Ah, il doit organiser des galas dans des maisons de retraite pour milliardaires. C'est possible. Bon, en attendant, on répète. Allez. Un, deux. Ça, vous avez composé 9 morceaux? Oui, pour l'instant, c'est ce que j'ai composé. Ah, et ils sont tous aussi bons que ce Rêverie romantique? Je sais pas, mais celui-là, je crois que c'est ce que j'ai fait de mieux. Et les autres sont pas mal non plus. Ouais, c'est intéressant. Et dites-moi, on peut les entendre? Bien sûr. Ouais. Maître d'hôtel, s'il vous plaît. Vous nous apporterez une autre bouteille de Saint-Émilion 66, hein? Non, non. Ah, mais si. Allez-y. Si vous insistez. Je vous en prie.
Vous savez que le restaurant que vous avez choisi est pas mal non plus. Ah oui, c'est un endroit très chic. C'est cher. Non, c'est moi qui l'ai payé. Il n'y a pas de problème. À mon avis. Il y a des cigares, on fume. Des cigares, café, café. L'alcool, tout ce que vous voulez. La blanquette, hein? Excellente, la blanquette. Et sinon? Ah, très bien, très bien. C'est dommage que Victor soit pas là. Oui, alors, Victor... Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, il a changé, quoi. Je trouve pas tellement. Pourquoi tu le connais pas comme moi? J'étais à l'école avec lui, quand même. C'est vrai qu'il n'est plus tout à fait le même. Il est, comment dire, il est nerveux, irritable. Mais oui, je me demande même s'il a pas quelque chose qui tombe par rond. Ah, Jean-Paul, tu nous remets la même chose. Quoi qu'il faut pas en abuser non plus, parce que le Chinon, contrairement à ce qu'on pense... C'était pour moi que tu lui disais, non? Il est pas mal, mon petit Chinon. Mon petit Jean-Paul, comme ça, il est boire. Formidable, ton petit Chinon. Ça va? Hein? Ah. Ouais, ça va. Ah, j'ai la bouche un peu pâteuse parce que j'ai pas l'habitude de manger comme ça. Et surtout de boire comme ça, mais enfin, ça va. Enfin, je vous ramène à la gare, hein? Ah oui, intérêt, parce que je suis pas en train d'y aller à pied. Ah oui. Ah, dis donc, au fait, là, vos musiques, faudrait peut-être penser à les déposer. Hein. On sait pas, il n'y a pas que des gens honnêtes dans le show business. On sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, ouais, j'ai déjà reposé. Je veux dire, j'ai déjà déposé. Ah bon? C'est plus. Alors, c'est bon. Tout à fait. C'est un peu dans le style de l'adagio. Il y a quand même une nette différence dans la facture. Si on veut, mais si vous considérez la première partie... Ça, ouais. Qu'est-ce que vous comptez faire de ça? Je réfléchis, mais à mon avis, il y a un coup à faire. Hein. Je le pense aussi. Ça pourrait faire un bon truc pour les décideurs décadents, ça. J'y ai pensé, mais les décideurs décadents depuis l'adagio, c'est pas la joie. Hein. Ils font que des bides. Et puis, ils seront bientôt plus décadents que décideurs, alors... Quels sont leurs chiffres? 5000 pour le dernier, c'est nul. Oui, mais ça... Ça pourrait peut-être les relancer. C'est tubesque. Oui, effectivement, nous pourrions peut-être faire ça avec eux. Oui, ça me semblait pas être une mauvaise idée. Le titre est libre d'édition? Ah, complètement, hein. Et les autres aussi. Et à mon avis, je pense pas avoir de problème avec ce type. Il est complètement mûr, alors... Non, monsieur le président, c'est faux! Silence, Collinet! Laissez parler le témoin! Vous disiez que j'ai vu cet homme parler illégalement à ce monsieur à l'époque où il était inhumé depuis 250 ans. Qu'avez-vous à dire, monsieur? Moi, c'est si. Qu'est-ce que c'est? Eh hey, merde! Oh! Ouais, oh, hé, hey, oh! Y'a pas le feu, hein? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est nous! C'est Lucien, Maurice et Hubert! On vient répéter! Alors, tu ouvres? Non, j'ouvre pas, je veux dormir. Vous me laissez dormir et vous me foutez la paix. Compris? Bon, c'est bien, on s'en va. Mais je m'entends dire que si tu veux nous voir, tu viendras nous chercher. Parce que tu commences à nous faire chier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on s'en va. Bon, allez. Voilà, bon, j'ai une petite idée à propos de la mélodie que Sam a trouvée, là, ce rêverie romantique, quoi. Oui, mon petit Patrick. Bon, je sais pas, peut-être que je me plante, hein, mais ça m'étonnerait. En tout cas, une chose est sûre, il faut pas donner cette mélodie aux décideurs. Mais pourquoi pas? Mais ils sont rappés, mon vieux, ils sont rappés! C'est bien, à mon avis. Ben oui. Ouais, enfin, si je vous suis bien, il faut trouver un autre groupe, d'autres jeunes. Mais des jeunes, il n'y a que ça sur le marché. Il faut trouver autre chose, je sais pas, il faut prendre le contre-pied. Il faut lancer un nouveau produit, lancer... Lancer quoi? Ben, un vieux. Un vieux? Ouais, il faut trouver un vieux d'une soixantaine d'années.
Enfin, je veux dire, une personne d'âge mûr. T'as rien, continuez, mon petit Patrick. Oui, bon, c'est-à-dire que, bon, il faut lui construire un personnage, trouver un look. Je sais pas, moi, axer la promotion sur le fait qu'il renoue avec une tradition mélodique perdue, une connerie comme ça. C'est le travail d'un bon attaché de presse, hein. C'est pas con, hein. C'est vrai, ça. Ça n'est pas con. Mais enfin, le problème, il faut trouver ce... Ce vieux, n'est-ce pas, Patrick? Celui que tu connais, là. Victor Collinet? Ben ouais, mais c'est lui qui fait ses mélodies, il les joue, c'est un support, ça. Ouais, ben t'as pas vu sa gueule, hein. Bah, ça s'arrange. Ouais, d'accord, enfin, il joue bien, mais enfin, de là, en faire un 10, c'est grotesque. Ça s'arrange aussi en séance, hein. Ça, c'est vrai, hein. Si nous nous occupions de ce genre de petits problèmes, nous ne sortirons pas beaucoup de disques. Sam, vous voyez ça avec Patrick. Vous avez carte blanche. OK. À tout point de vue. OK. Ah, c'est toi, rentre. Excuse-moi pour tout à l'heure, mais à Paris, au récent, ils m'ont fait boire. Et quand je suis sorti de là, je sais plus où j'en étais. Après, ils m'ont emmené dans une grosse bagnole. Alors, dans la bagnole, j'étais complètement rouillé. Ah, mais tu devais en tenir une sévère, parce que quand on aime du taper chez toi, ah, tu peux pas. Ah, tu sais bien que j'ai pas l'habitude de boire. Ça, on le sait que t'as pas l'habitude. Bon, alors tu t'es expliqué. Maintenant, on va pas en faire des heures là-dessus, hein. Les enfants, malheureusement, il n'y a pas que ça. Bon, bah, tu nous raconteras. Assieds-toi, alors. Allez. Tiens, lis ça. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé, officiel? Officiel quoi? Ben, la maison de Victor va être vendue par le propriétaire. Voilà. Alors, ou il peut l'acheter, ou il faut qu'il s'en aille. Bon, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. C'est une maison où je suis depuis 30 ans. J'y ai vécu avec ma femme. Et en plus, le loyer n'est pas cher. Mais ça vaut combien une maison comme ça? D'après les voisins, 600 000 francs. 60 millions? Écoute, panique pas, hein, t'as le temps de te retourner, et puis au besoin, tu viens loger chez moi. C'est assez grand, et puis je suis tout seul. Tu sais que t'es gentil, toi. C'est ici. Oui, entrez. Ah. Je suis ravi de faire votre connaissance, monsieur Collinet. Enchanté. Entrez. Merci. Je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Un petit scotch. Mais alors, si vous voulez, mais il est très léger. C'est l'heure, Sam. Oui, oui. Alors dites-moi si nous parlions un peu de notre petite affaire. Enfin, petite, je veux dire, de notre affaire. Avec plaisir. Autant régler ça tout de suite, non? Non, pourquoi pas. Voilà. Ah, pardon. Voilà celui-là. Non, pardon. L'idée de prendre ce type, c'est absolument génial. Merci. Mais tu sais qu'il est dans le bureau de Stratton? Bah oui, je le sais. C'est moi qui l'emmène avec Sam. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Non, mais je comprends pas. Je croyais que c'était ma musique qui vous intéressait. Bah, et alors? Et alors, si vous voulez jouer vous-même, mais où est le problème? D'accord, je suis pas un mauvais musicien. Je dirais même que je suis bon. C'est vrai, très bon. Mais de là à faire un disque... Mais nous sommes là pour vous aider. Vous verrez, tout se passera au mieux. Oui, on prendra tout le temps nécessaire qu'il faut pour faire les choses bien. Allez, allez! Après tout, pourquoi pas? Tenez, j'ai justement là les sessions pour chacun des titres. Et puis j'ai également le contrat en tant qu'interprète. Oui. C'est un contrat type exactement le même que nous faisons à chacun de nos artistes. Ah, oui, et puis il y a un chèque aussi, enfin si vous signez, bien sûr. Un chèque? Oui, 200 000 francs.
20 millions. Ben oui, comprenant les primes à la cession et une avance importante sur royalty. Et c'est rien. Et c'est rien à côté de ce que vous pouvez vous faire si ça cartonne. Bon, eh ben d'accord, je vais l'enregistrer avec mon ensemble. Hubert, Lucien et Maurice. Non, non, ça, monsieur Collinet, n'en est pas question. Mais pourquoi? Parce qu'il faut des arrangements modernes, il faut des musiciens, des jeunes. Enfin, on a tout ce qu'il faut. Et alors? Mes vieux, ils valent vos jeunes, hein? Ils sont peut-être mieux. Alors ça, monsieur Collinet, c'est absolument impossible. Alors? Alors, si je le fais pas avec eux, qu'est-ce que je vais leur dire quand ils vont venir chez moi? Ah non, mais alors ça, c'est pas du tout un problème. Ah bon? Ah, nous allons arranger ça très facilement. C'est vrai. C'est bizarre, il a même enlevé ses jardinières. Bah, et Victor, là? Victor, il est pas là. Il est disparu, tout est bouclé chez lui. Et en plus, il a enlevé ses jardinières. Et on s'est pas trompé de jour. Mais non, on est bien le mercredi 24 et on joue ce soir à Ponto de Mer. Bah merde, alors où il est? Il a laissé un mot pour vous. Un mot? Oui, avant de partir ce matin, c'est Procléas qui dit tant. Tu l'as lu? Moi, je me suis pas permis, j'en ai juste pris connaissance pour voir. Attends, oui. Mes chers amis, des événements inattendus et une tâche importante m'obligent à m'absenter pour un temps indéterminé. Je dissous donc le quatuor Collinet et vous demande de prévenir les organisateurs de notre défection. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Amitié, votre Victor. Attends, il y a un post-scriptum. Vous pouvez continuer en trio. En trio? Ça alors? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je reprends un petit sincère. Triche. Ça y est. Ah, attends, quitte pas la patrie. Oui. Ouais. Bon, j'ai bloqué la séance là, pour le studio du 15 au 23. Ah bon? Et t'as les musiciens? Ouais, tous. Enfin, non, sauf Bardello, parce qu'il n'était pas disponible. J'ai pris Zanetti à la place. Ah, mais c'est un super batteur. Ah, ouais. Bah, tu les fais répéter tout de suite, hein, ok? Ouais, c'est déjà fait. Ils sont tous ça. J'y vais. Non, c'est Patrick. Non, ça s'arrange pas. Dis donc, mon petit gars, hein, c'est loin d'être en place, ton truc, là. Oui, c'est vrai, bon, il y a des faiblesses, mais ça s'arrange, quoi. C'est... 1, 2.
la su, hein, Pépé. Ah ouais, c'est bon, hein. Jean-Paul, tu veux pas monter le son, là, s'il te plaît? Oui, dis donc. C'est rêverie romantique, ça. C'est vrai, ça? Oui, merde. Oui, ça fait 3 fois qu'il le passe depuis ce matin. C'est chouette. C'était rêverie romantique, une nouveauté qui devrait assez vite se faire une bonne place dans l'île Parade. Et c'était joué par Arnaud Saint-Aubin. Saint-Aubin-Roqueux, oui. C'est Victor. Pas possible. C'est super, ça. Formidable. Tu sais combien on en a fait des Saint-Aubin? Non. 23 000. 23 000 en 6 jours, mais enfin, tu te rends compte, mon petit vieux? Ça y est, c'est parti. Quoi, comment ça, on n'est pas sûr que ce soit Victor qu'on a entendu? Ben non, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Et qui? Personne d'autre connaissait cette musique. On lui a peut-être piqué sa musique. On sait pas ce qui s'est passé. Ah ouais? Et où il est maintenant? Il a disparu. Qu'est-ce qu'il fout, hein? Ben justement, c'est inquiétant. Et moi, je trouve aussi que c'est inquiétant. Ah, vous me faites marrer tous les deux. Ça se trouve, sa musique, on lui a pas volé. Il l'a vendue. Et alors? Si c'est pour acheter sa maison, il a bien fait. Alors toi, alors on te marche sur les pieds, tu dis encore merci. T'es vraiment un ancien commerçant. L'ancien commerçant, tu sais ce qu'il dit à l'ancien flic? Attention. Merde. Oh, là, vous n'avez pas commencé à vous engueuler. Non, ça va. Non. Je vais les recevoir quand, mes Saint-Aubin? Non, vous m'aviez promis de me les livrer hier. D'accord? Bon, je compte sur vous, hein. Non, rien d'autre, Saint-Aubin, un point, c'est tout. Madame, s'il vous plaît. Oui. Calme, calmez-vous, il y en aura pour tout le monde. Arnaud Saint-Aubin, l'irrésistible ascension. Ça, c'est pas Victor, ça. Oui, je sais. Non, c'est pas lu, Victor. Mais oui, j'ai lu. Alors, je continue. Le grand-père du showbiz, le chouchou du top 50, celui qui, tout en se consacrant à ses nombreux petits-enfants, a su rendre à la mélodie ses lettres de noblesse. Tu parles de conneries, je te jure. Oui, non, c'est pas lui, ça, c'est pas lui. C'est son attaché de presse. Oh, vous allez voir, on va le rater. C'est vrai, oui. Il passe à la télé ce soir. Ah, ça, je peux pas. Excusez, mais ça, je peux pas. Ça, je... Tu en vas? Ba-d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 a
Et le vainqueur est... Arnaud Saint-Aubin pour Rêverie romantique. Arnaud Saint-Aubin. Sam, ouais. Vous demanderez à Collinet, enfin, à Saint-Aubin, de vous donner au plus vite ses nouvelles compositions. Puis alors, mes enfants, il faut absolument qu'ils fassent de la scène. Tout le monde le demande. Oh non, bon, la télé, ça va encore, mais la scène, non. Mais non, mais ça, c'est votre problème. D'ailleurs, il y a pas mal de choses à voir. Son look, notamment, ça va pas du tout. Ah bon? Ben oui. Ben oui, Monsieur Stratton a raison. C'est vraiment trop classique, trop conventionnel. Hein. Et puis, je trouve que ça fait vraiment un peu trop tristounet, alors. Bon, alors tu changes les choristes, tu me mets deux blanches, deux noires, des nanas super bien roulées, ok? Ouais, ouais, ok. Bon, puis tu changes aussi les musiciens, alors. Non, oh, ils sont tout bons, ceux-là. Et... Ouais, ok, mais enfin, physiquement, c'est pas la joie. Bon, tu prends des jeunes, des beaux gosses, enfin, tu vois le style, ok? Ouais, 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 Patrick. Hein, oui. Qu'il fasse pas trop folle, quand même. Ben, c'est pas mal, ça. Ça fait un peu genre banane. Ah non, je veux pas de banane, moi. Quand j'arrivais chez moi à mon quartier, j'arrivais avec une banane. Mais non, monsieur Saint-Aubin, c'est genre. C'est, vous savez, ça fait un peu. Mais non, mais c'est du classique. T'as déjà vu un orchestre classique avec des bananes? Non, mais ça fait classique moderne, vous voyez, c'est entre la banane et le. Ah, ben arrête. Non, je vais vous mettre au régime. Régime banane. Régime de banane. Vous êtes mort, monsieur Saint-Aubin. Je suis mort. Oui. Vous voyez, je le verrais bien en fraise. En fraise. En fraise? Oui. Ouais. Alors la banane, la fraise. Vous faire de moi une corbeille de fruits. Là, j'ai la tête en forme de poire, ça fait la corbeille de fruits complète. Thank you.
mademoiselle. Les loges des artistes, s'il vous plaît. Oui, c'est par là. Merci. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? C'est que on voudrait voir Arnaud Saint-Aubin. Si c'est pas des dédicaces, vous ramenez pas le concert. Non, oui, mais nous, on le connaît. Oui. Semble. C'est un ami. Oui, mais même que son vrai nom, c'est Victor Collinet. Ah, son vrai nom, c'est Collinet. Et ben moi, mon vrai nom, c'est Dégage. Ah. Allez, les anciens, ancien, vous devez aller à côté ici. Dégage. Allez. Moi, j'ai eu un peu près. Allez, allez, allez. Ça s'appelait Déménage, mon copain. C'était charmant. Merci, merci. Évidemment, tout le monde ne peut pas jouer comme Arnaud Saint-Aubin. Entrez. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas prêt? On commence dans 10 minutes. Même si vous commencez dans 20 minutes, je rentre pas en scène. Qu'est-ce qui ne va pas cette fois-ci? Ce qui ne va pas, c'est les plantes vertes qui sont sur la scène. Quoi, les plantes vertes? Oui, quoi? Eh ben, moi, j'aime pas les plantes vertes. Je les fous plantes fraîches. Des roses de préférence. Blanche ou rouge. Et bien moi, je vais faire constater que vous voulez pas jouer, voilà. Et ça va barder. Vous voyez, ça va barder. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien. Je suis malade. Mais où voulez-vous qu'à 9h05, je trouve des plantes dans ce patelin? Mais je m'en fous, vous réveillez une fleuriste et vous lui demandez des roses blanches ou rouges. C'est pas difficile. Ok. Bon, voilà ce que je peux faire. Patrick! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes gentil. Pourquoi? De ne pas m'envoyer sur les roses. Vous avez de l'humour, monsieur Saint-Aubin. Eh ben, pas vous. Vous n'avez pas l'air content. C'est fait, là, il s'est racheté sa maison. Bon, eh ben, ça ne suffit pas. Il est pas heureux, il est chiant. Il est chiant de ne pas t'imaginer dans la loge. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il est corrigé là. Ouh, ça lui plaît pas, ça l'énerve. Ou un musicien. Eh ben, ça l'agace, voilà. J'en peux plus, j'en peux plus, ce vieux con, j'en peux plus. Eh oui, mon petit Patrick, c'est une vedette. Des vedettes, elles me font chier. Ouais. Je me demande où il habite maintenant. En tout cas, il n'est pas revenu chez lui. Oui, j'y suis passé une ou deux fois, personne ne l'a revu. Oui, je sais, je suis passé aussi. Moi aussi, j'y suis passé. Et pourtant, je m'en veux, ce salaud. Bon, il n'y a pas de beauf.
C'est dégueulasse ce qu'il a fait avec son disque, là. C'est exactement ce qu'il reprochait aux autres, de la soupe. Mais on peut pas le juger comme ça. Il a profité de l'occasion, c'est tout. Mais il avait qu'à nous en parler, de nous tenir au courant. Il a peut-être pas osé. D'ailleurs, on parle moins de lui en ce moment, moi, je trouve. C'est vrai, ça. Il passe presque plus à la radio. Alors, vous n'avez encore rien composé de nouveau? Avec tous ces voyages, toutes ces télés, vous vous rendez pas compte, moi j'ai pas eu le temps. Bah, il faut vous y mettre, hein. Il faut qu'on enregistre. C'est si pressé que ça? Non, on peut pas attendre. Bon, c'est tout à fait impossible. Là, si nous faisons les séances dans, disons, un mois, ça nous fait sortir le disque un an après le premier, c'est limite. Là, il faut marcher sur la lancée de rêveries romantiques. Il faut vous bouger, mon vieux. Et puis, de toute façon, c'est dans votre contrat. Fasse minimum par an. Merci. Ah bon? Eh oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez dans le même genre que le premier? Il y a intérêt, oui. Il y a intérêt, c'est facile à dire. Ouais, à votre santé quand même. À votre. Monsieur Collinet, quelle surprise! Vous croyez qu'on vous verrait plus? Eh oui, j'ai beaucoup de travail. Ah, qu'est-ce que ça peut lui foutre? De quoi je me mets? Je fais ce que je veux. Attilio, c'est moi. Me revoilà. Eh oui, il y a longtemps que j'étais pas venu. J'étais très pris. Ben maintenant, me voilà. Et toi, ça va? Ben, je comprends que tu sois fâché. Mais m'en veux pas. Je te promets qu'à partir de maintenant, je reviendrai tous les vendredis à 5 heures. Tiens, regarde, c'est pour toi, ça. Victor Collinet, alias Saint-Aubin. Tu n'es qu'un boutard, un maraud, un vil faquin. Ou si tu préfères en termes de ton époque. Un menteur, un beau salaud, un grand dégueulasse. C'est pas gentil ce que tu me dis là, hein? Parfaitement. Tu m'as trahi. Tu as fait de mes mélodies d'ignobles choses, sirupeuses, dégoulinantes, mercantiles. Attends un peu de me rejoindre où je suis et tu ne vas pas regretter les voyages. Écoute, Tio, je vais t'expliquer. Rien. Inutile. Pas un mot. Ton bouquet, voilà ce que j'en fais. Ça, c'est pas gentil. Attilio, Attilio. Il n'y a plus pour vous d'abonner au numéro que vous avez demandé. Vous êtes prié de ne pas renouveler votre appel. C'est monsieur Constant. Vous savez qui a organisé le gala que vous avez fait à Compiègne? Ah oui, oui. Mais là, c'est à quel sujet? Ben voilà, je m'inquiétais. Je voulais savoir si vous étiez bien rentré. Oui, oui, oui. Ça fait 6 mois de ça, on est bien rentré, oui. Non, mais simplement, je vous demandais ça parce que, à cause des embouteillages. Enfin. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Et les autres aussi? Ben oui, ils vont bien, oui. Ah, et ben tant mieux. Parce que... Vous savez, monsieur Broquet, la santé, c'est important. Au revoir, monsieur Broquet.
Voilà. Alors? Ben franchement, il n'y a rien de bon. Rien? Non. Enfin, il y a peut-être un morceau qui est une ressucée de ce rêverie romantique. Ah bon? Qu'est-ce qu'on fait? Ben écoutez, je sais pas, ou vous me composez quelque chose qui tienne debout, ou alors... Ou alors quoi? Eh ben on laisse tomber. On laisse tomber. Écoutez, on peut s'arranger avec un petit contrat à l'amiable, hein. Ah, Manu. Manu, entre. Ça va? Bien? Ok. Je pourrais peut-être non, faire... non, Victor, non, je m'en fous. Alors là, je suis désolé. J'ai vraiment pas le temps de m'occuper de vous. Hein. Désolé, allez. Alors, quoi de neuf? Ça tourne? On va s'occuper de ça, hein. Eh, tiens, tu m'en remènes. Giclé. Vous croyez pas que ça suffit comme ça? C'est moi qui sais... c'est moi qui bois, c'est moi... je sais à quel moment ça suffit. Alors, tu m'en remets une goutte, tu discutes pas. Un dernier verre, alors. Hein. Et alors, c'est pas toi qui paye, hein. Tu vois, ça, c'est un petit Sancerre que Hubert aimait beaucoup. Tu connais pas Hubert, toi? Alors, tu connais pas Lucien Limoreux, toi? Tu connais personne, tu t'en fous, toi. Je sais que t'es belle, toi. Tu connais pas Hubert? Non. Maurice. Et Lucien, tu connais pas? C'était des amis. Ils sont plus des amis. Marc, tu pourrais me faire oublier mon chagrin, toi. Je suis malheureux. Tu m'en remets une petite giclée, un petit coup. Bon, ben, je vais boire à côté, je m'en fous. Hein. Viens, on va boire à côté, viens. Adieu. Yo! Allez, sois sympa. Fais-moi un peu de musique. Oh, je ne demande pas grand-chose. Tu me donnes deux ou trois morceaux. Hein? De toute façon, tu vas rien en faire là-haut. Fais ça pour le grand Saint-Aubin. Hein? Tiens, je dirais que c'est toi qui les as composés. D'accord? Et je ferai une fondation pour les jeunes compositeurs morts de la peste au 18e siècle. Hé! Alors, tu n'arrives pas ou merde? Victor, on m'a oublié, fais ma musique. Hein, et maintenant tu fais la gueule? Ça serait trop facile! C'est fini, oui? Oui, c'est fini, c'est lui qui m'a appelé. C'est pas de ma faute, hein? Et maintenant il fait la gueule, hein? Si t'es un homme sort, tu te dégonfles, hein? Mais ritole de mon cul! J'en ai rien à foutre des ritales comme ça. Et maintenant, tu peux m'appeler, j'y arriverai pas. C'est un ritale. Hein, vous avez raison, venez me chercher, mes enfants. Parce que je m'énerve. Attention, et les gars, il y a une marche. Voilà, là. On attend, mes enfants, on attend. Hein. Allez, allez. Oh, et dès qu'on arrive, on va écouter. Ouais, c'est ça. Hein. C'est là que tu prendras. C'est pour toi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, au nom du ministère public du bon goût et de la protection des œuvres d'art, je réclame contre cet individu et ses immondes complices 20 ans d'internement dans un camp de redressement musical. Oh non, pitié! 20 ans, pitié! Allons, calmez-vous, ça n'est rien. Calmez-vous. Et où je suis, là? Dans une maison de repos. Mais pas pour très longtemps, rassurez-vous. Et pourquoi je suis là? D'abord, vous avez eu une grande cuite, et ensuite une petite dépression. Vous êtes sous calmant, monsieur Saint-Aubin? Oh non, pas Saint-Aubin, c'est fini, Collinet. Hein? Saint-Aubin, c'est fini, Collinet. Collinet. Alors, monsieur Collinet, vous devez être content de sortir demain. Hein? Oui, oui. Vous avez de la famille qui vient vous chercher? Non, j'ai personne, pas de famille, pas d'amis, j'ai personne. Personne.
Entrez. Oh, c'est vous. Ah oui, c'est nous, et alors? On est venu te chercher, mon petit Victor. Excusez-moi, mais j'étais un beau salaud. Mais non, mais non. Mais si, ça faut voir comment on est reçu par ton garde du corps, hein. Je savais pas. Bon, allez, on parle plus, allez. On t'emmène et puis on va passer par derrière parce que devant, il y a les photographes qui attendent Saint-Aubin. Ils peuvent attendre longtemps. Allez. Allez, viens. T'as toutes tes petites affaires? Oui. Allez, on y va. C'était pas difficile de savoir où tu étais avec tout le ramdam qu'il y a eu dans la presse. Mais ils ont dit ce qu'ils étaient inquiets, alors ils ont appelé. Et l'histoire du cimetière, où ça en est? Oh, c'est assez. Oui, t'as oublié, c'est pas un petit scandale qui peut importuner une vedette comme toi. Quand même, t'en tenu une sévère, hein. Dis donc, ça t'est jamais arrivé à toi? Alors, si, mais j'ai jamais voulu botter le cul d'un type mort il y a 250 ans. Oh, on a mis des fleurs. Oui. Eh, tiens, Victor. Allez, vas-y. De blanc frigo. C'est vrai? Ouais. C'est gentil. On va la boire? Oui. Tu as aussi de la correspondance. Ah bon? À mon avis, ça vient de Mondial Musique. Allez, là. Eh oui, c'est un chèque. Ah ben, j'ai bien vu que c'était un chèque. Oh, t'as vu la somme? Bah ben, c'est ce qu'ils te doivent. Hein. Maintenant que tu as acheté ta maison, t'es peinard. Hein. À moins que tu vois plus grand. Alors, moi, je me trouve bien ici. Eh ben, on la boit, cette bouteille. Allez, on la boit. Alors, vas-y. Dans le fond, tout ce qui arrive, c'est un peu de votre faute. Comment ça? Parfaitement. Si vous m'aviez cru. Cru quoi? Quand je vous ai dit qu'Alboretti m'avait parlé au cimetière pour me donner des nouvelles musiques. Alors, tu vas pas remettre ça, non? Ah bon? Vous me croyez pas? Oh, non! Alors... Mathieu, je regrette ce que j'ai fait, je te demande pardon. Je te pardonne, Victor. Je vois que tu es redevenu celui que tu étais autrefois. Ah oui, je crois. Alors, à vendredi prochain, 5h. Mathieu. Quoi? J'ai quelque chose à te demander. Une faveur. À quel sujet? Je voudrais que mes amis t'entendent, parce qu'ils disent que je suis fou. Ben. Oui. Maurizio. Maurice. Oui. Lucien. Voilà. Approchez, soyez sans crainte. Oui. Ce que vous a dit Victor est vrai. Maintenant, vous le savez. Je vous demande de ne jamais en parler à personne. Sinon, tous les cimetières où sont inhumés des compositeurs seraient remplis de gens venus leur demander des musiques. Ce qui ferait mauvais effet, n'est-ce pas? Oui. Victor? Oui? Moi aussi, j'ai quelque chose à te demander. Avec plaisir? Je n'ose pas. Oh, tu vas pas être timide avec moi. Approche plus près. Oui. Mais qu'est-ce qu'il dit, là? J'entends rien. Ça te revient de pas, ça c'est entre lui et moi. Avec choix. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il veut? Il voudrait diriger lui-même. C'est normal, c'est de lui.